Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je ne fais pas la structure avec vous en entier, je fais juste une petite intro vite fait au tuto numéro 1 de façon à vous donner les dimensions de la structure. Une structure, c'est vraiment facile à faire, sachant que c'est la même que d'habitude. Je reprends la même chose, même joueur, j'ouvre encore comme on dit. Il y a juste un tout petit peu de centimètres qui différencient, donc du coup je donne juste les mesures. Et après on se retrouve pour la suite du tuto, d'accord? Donc j'ai pris deux carrés de 23 par 23 et une tranche de 23 par 7,5. Et je vais faire ma structure. Pourquoi j'ai choisi 23 par 23? Parce que ça me permet, hop, ici, 23, c'est là, d'avoir ma tour Eiffel en entier. D'accord? Donc voilà. On y va? On y va. Et ma structure, je pense que je vais la faire en fond poppy. Ok? Let's go, moi je vous reprends quand j'ai terminé ma structure. Bon, je vous reprends un peu plus tard du coup avec ma structure de fête. D'accord? Donc, j'ai choisi ce papier-ci. C'est pour ça que j'ai fait cette structure un peu plus grande, tout simplement pour pouvoir y mettre ma tour Eiffel en entier. Le but étant de prendre les petites cartes qu'il y a dans le 20-20 par la suite pour pouvoir les coller en effet 3D ici, mais quand j'aurai fait l'intérieur de couverture. Ici, j'ai mis la suite, donc c'est ces cartes-là dont je vous parle. Là, je n'ai encore rien mis. Pour ma structure, donc du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, je vous avouerai qu'il y a deux jours qui sont passés depuis, j'ai utilisé le rubis, mais par contre pour mes espaces photos, je vais utiliser le poppy. Il y a toujours, toujours ce fond sonore de bébé chat qui pleure. On a un gueulard parmi les quatre. As-tu fini? C'est rien mon chat, c'est moi. Elle a eu peur. Alors... elle, parce que c'est une petite fille, celle-là, c'est une vraie gueularde. Elle est tout le temps en train de gueuler. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, dès qu'elle est réveillée, si elle mange pas, elle gueule. Oui, Snow, non, c'est pas ton bébé à toi. Hop. On la redonne à sa mère, en espérant qu'elle arrête de crier. Elle cherche le tété maintenant. Et les trois autres font dodo. Du coup, on va essayer de profiter un petit peu du calme pour travailler. Vous en pensez quoi? Alors, l'intérieur de couverture. Ici, donc du coup, j'ai mis quand même du... je sais pas, je vais me perdre dans les noms. Donc, c'était le rubis, je crois que je vous ai dit ici. C'est ça, le rubis ici. Rubis et les photos poppy. Et je vais faire ma structure, le reste de ma structure d'album. En fait, pas la structure en elle-même. Vous avez compris? Le reste pour monter mes pages et tout ce qui s'ensuit avec du papier noir. Parce que je me suis dit que le noir irait beaucoup mieux avec ces papiers que le blanc. Ok? Alors on y va. On prend une première feuille de 21 par 16 cm. On fait un pli de 1 cm et un autre à 0,5. Pourquoi 21? Tout ça pour pouvoir mettre deux espaces photos comme ça. D'accord? J'aurais même pu descendre à 20,5. Et c'est ce que je vais même faire d'ailleurs. Comme ça, ça va donner un peu mieux que ce que, un peu plus de ce que je voulais. Hop là, toi, à la poubelle. 20,5. Je vous mettrai le 20,5 au lieu de 21 là-haut. Et le 20,5, impeccable. Voilà, nickel. D'accord? Donc, voilà pourquoi ici. Pour mes tampons, avant qu'on me demande la question, c'est toujours ceux de la boutique Horizon Créatif. Donc ce coup-ci, j'ai utilisé cette planche-ci, puisque vous savez, j'ai les trois, avec ce tampon-là et le 9 par 13. Ok? Donc, au niveau des 1 cm, je viens marquer mes plis et je vais biseauter. Mais j'aurais voulu mon tout petit ciseau qui est là. Hop là. Et je vais venir le coller en haut, mais je vais essayer de le centrer. D'accord? Je voulais pas que ça prenne tout le long. Hop, je vais prendre ma colle. Et je colle. Comme je disais, hop là, en haut, ici. Là. Je suis pas bien centrée. Je peux décaler encore un petit peu. Oh bah, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais ça c'était un bâillement de Snow.
Eh ben, à savoir qu'il n'est pas à côté de moi en plus. Voilà, ici. Hop, là, comme ça. D'accord. Ensuite, je vais prendre une feuille de 10,5 par 16 cm. C'est pareil, un pli de 1 cm, un pli à 0,5. Ici. Et je vais venir le biseauter et le coller ici. Ça va venir refermer notre, notre pochette. D'accord. À savoir que c'est pareil, c'est fait exprès pour pouvoir mettre une feuille. Une photo de 9 par 13. Donc, emplacement photo de 10 par 14. Je marque mes plis et je biseaute. Hop là. Et je vais venir le coller juste ici. C'est pareil, on essaye de le centrer. Hop là. On viendra mettre un aimant pour le tenir fermé. D'accord? Bon. Je collerai mes espaces photos après. Ensuite, il va vous falloir deux feuilles. Hop là. De 21 par 14,5. On fait un pli à 10,5, ce qui fait qu'on le plie en deux. Voilà. Ensuite, il va vous falloir deux feuilles de 3 par 14,5. On fait un pli à 1,5. Donc c'est pareil, on le plie en deux. Voilà. Ok. Je vais bien mettre du double face. Alors, hop, ça, je le pousse. Là. Alors je mets du bleu parce que c'est bien fur et comme ça va être manipulé, donc j'en mets de chaque côté. Un. Et deux. Pareil de l'autre côté, enfin sur le deuxième, pardon. Et deux. Hop, je le range. Mon pli est bien marqué. Je vais venir biseauter. Pareil avec le deuxième. Mince, c'était dans l'autre sens. C'est pas grave. C'est pas. Il va être un peu plus petit, mais c'est pas grave. Je vais venir en coller un ici. Bon, celui-là du coup il va être beaucoup plus petit. Hop là. Il m'a lâché des mains. Un. Juste ici. Pareil avec l'autre. Voilà. On va venir prendre un papier décoratif. Hop. Alors, il faut reprendre du 30-30, à savoir que je n'ai pas mis ici, donc j'aimerais bien. Là, je vais mettre celui-ci. Je pense que derrière je mettrai celui-là. Je vais y réfléchir avant de tout utiliser. Alors, je prends mes dimensions
pour la mettre à la bonne taille. Hop. Je vais faire par là comme ça. Peut-être que j'arriverai à récupérer l'oiseau par là. Donc par là. Je sais jamais si j'arrive à récupérer l'oiseau. Là. Et ici. Alors, hop, je vais mettre ici. Ici. Je vais pouvoir récupérer mon oiseau. Hop là, là. Du coup, il va aller ici. Ça va faire sympa avec le rouge et tout quand on va fermer. Je vais venir l'ancrer avec du noir. Il est là, mon noir. Mon memento. Et je l'ancre. Voilà. Là et là. Je viens de placer sans le coller. Et je vais venir prendre ici. Et je vais venir en mettre. Un à peu près à ce niveau-là. Voilà. Quand je vais couper avec mon massicot, ça va être droit. Je ne m'inquiète pas pour ça. Et un autre, du coup, pareil, mais hop là, ici, faut pas qu'il dépasse en bas, d'accord? Donc à peu près ici. Hop, je pousse le tout là et je viens. Alors. Vous voyez, j'étais pas vraiment droit, mais c'est pas grave, je vais gommer. Hop là. Et là. Je viens gommer, mais délicatement pour pas tout arracher. Je maintiens bien mon papier avec mes deux doigts. C'est comme quand on s'épile les sourcils. Et du coup, là, je le rentre. Ah, je l'ai mis à l'envers. C'est à l'intérieur qu'il aurait dû aller. C'est pas grave. On va faire autrement. Sauf que il est légèrement pas assez grand. Bon, hop, je vais y arriver. Hop là, là. Voilà, là. Ce que je vais faire, je vais coller vers le haut et non vers le bas, comme je fais d'habitude. Hop là. Et puis je colle vers le bas, là, ça va pas changer grand chose. Voilà. Pareil avec l'autre. Par contre, celui-là, il se... Voilà.
Je vais bien le replier là parce qu'il a un peu du mal. Hop là. Là, là, là et là. D'accord. Dans ce sens-là, c'est pas le mieux. Hop là. Mais bon. Hop. Ici, ici. Non. En haut, en bas, en haut, en bas. D'accord. On vient coller à notre structure. Ici et du coup ici et ici on vient mettre deux aimants, hop là, là et là, on vient tenir avec du double face. Le temps pour moi, tout en musique, de vous mettre les espaces photo et le papier décoratif et je vous reprends. Voilà ce que ça donne. Okay. On ouvre ici, ici avec deux autres photos et ici. Hop là, 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 là et là. Voilà. Impeccable. Alors par contre, je me suis fait avoir dans mes papiers. Je ne vous ai pas ouvert le 15-15 parce que je me suis dit, voilà, c'est les mêmes choses que le 20-20 et le 30-30. Sauf que pas du tout. Sauf que pas du tout. Alors, je sais pas s'il y a deux 15-15 différents. Alors, vous savez bien que j'achète, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'achète toujours les 15-15 pour pouvoir faire les cartes, comme ça, justement. Les livrets et les rabats de dimension photo. Sauf qu'en fait, le 15-15, eh bien, en fait, ce ne sont d'un côté que des papiers de fond. Hop. Et de l'autre, que des petites choses à découper. Donc, je me suis faite avoir, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si vous aussi vous serez fait avoir, mais bref. Du coup, voilà un petit peu pour cette première page. J'espère qu'elle vous plaît. Et nous, du coup, on se retrouve très très vite pour la suite du tuto, bien sûr. Allez, bisous, bisous.